Bon, allez, c'est parti. Salut à tous, aujourd'hui on va parler des fonds verts. Quand on parle de cinéma avec des effets spéciaux, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les fonds verts. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le processus de A à Z pour que vous aussi vous puissiez faire du fond vert. Tout d'abord, pourquoi un fond vert ou un fond bleu sont de cette couleur? Eh bien tout simplement parce que ces couleurs sont les couleurs les moins présentes sur le corps humain. Par exemple là, j'ai 0% de vert. Donc c'est parti, commençons un petit peu les astuces de comment faire du fond vert. La première chose, ça va être le tournage. Le tournage, pour moi, ça représente 90% du travail du fond vert. Le premier tips, il va falloir bien éclairer son fond vert. Par exemple, moi, sur le tournage, j'avais deux lumières de la marque Aputure qui éclairaient mon fond vert pour qu'il soit vraiment vert et qu'il n'y ait aucune ombre parasite venant, par exemple, de mon personnage ou d'un autre élément parce que je tourne dans mon salon, je n'ai pas les thunes de tourner en studio. Voilà pourquoi j'ai mis mes deux spots qui rééclairent le fond. Et ensuite, j'ai fait avancer mon acteur devant les éclairages qui n'entravent pas et que ça ne crée pas des ombres sur mon fond vert. En parlant d'éclairage, il va falloir bien éclairer votre personnage. Il va être primordial de savoir là où vous allez incruster votre acteur avant de tourner le fond vert. Comme ça, vous allez pouvoir rajouter des lumières dans des endroits précis. Comme ça, ensuite, ça va bien s'intégrer dans votre image de fond. Le deuxième tips, il va falloir bien zoomer avec votre objectif. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va vouloir avoir du shallow depth of field. Ça veut dire, en gros, beaucoup de flou derrière le personnage. Et pour ça, il va falloir zoomer à fond avec votre objectif et avoir une ouverture à, par exemple, 2 ou 1.4, si ton objectif te le permet. Comme ça, on va pouvoir avoir vraiment un flou d'arrière-plan très intense. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, parce qu'on va vouloir camoufler un petit peu toutes les aspérités du fond vert. Dans notre cas, nous, on a un fond vert qui se lance, donc il y a des pliures, on le repasse pas, c'est un peu de la merde. Donc, en faisant cette technique, il y aura du flou sur cet arrière-plan et comme ça, ensuite, sur le logiciel, ça va s'enlever beaucoup plus facilement. Troisième tips, la vitesse d'obturation. Lorsqu'on fait du fond vert, il est très important d'avoir une vitesse d'obturation très rapide. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne veut pas avoir du flou de mouvement. Car s'il y a du flou de mouvement, ensuite, sur l'ordinateur, on va avoir pas mal de problèmes pour ensuite régler le fond vert. On va avoir des sortes d'aspérités, des contours un petit peu dégueulasses. Voilà pourquoi on tourne avec une vitesse d'obturation assez rapide, comme ça on a zéro flou de mouvement et on peut faire notre keying tranquillement. Quatrième tips, et c'est aussi le dernier pour la partie tournage. Il va falloir faire attention à ne pas avoir ces ISO très hauts. Pourquoi? Eh bien, tout dépend de votre capteur, tout dépend de votre caméra, il y aura donc du grain. Qui dit ISO élevé dit grain élevé. Et ça, quand on fait du fond vert, c'est pas cool parce que ça va créer des aspérités et des trucs dégueulasses encore une fois. Voilà pourquoi on essaye de contrebalancer avec les autres réglages aussi et essayer d'avoir une sorte d'homogénéité. Et c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir beaucoup de lumière lorsqu'on fait du fond vert. Donc faites attention à ça, les ISO pas très élevés. Maintenant, la deuxième étape, la partie logicielle. Dans mon cas, je vais utiliser le logiciel Adobe After Effects. La première étape, ça va être d'utiliser l'effet Keylight dans After Effects. Il est déjà de base dans le logiciel. Et le Keylight va permettre de faire donc du keying. Qu'est-ce que c'est le keying? Eh bien, c'est le processus, en gros, qui va vous permettre d'enlever votre fond vert. Le fond vert, c'est ça. Ça nous permet donc de faciliter la rotoscopie de notre personnage parce que la rotoscopie, ça se fait avec des masques. Et le keying, ça se fait grâce à une couleur sélective. Dans notre cas, le vert. Voilà pourquoi il s'appelle Keylight. Donc, Keylight se présente comme ceci. Il va falloir choisir tout d'abord une couleur. Donc avec la pipette, on va sélectionner la couleur verte de notre fond vert. Et le résultat est déjà pas mal, mais il va falloir affiner un petit peu tout ça. Voilà pourquoi il va falloir passer en mode screen matte, comme ça au moins on va voir le noir et le blanc. C'est quoi ce noir et blanc? Eh bien c'est l'alpha. Tout ce qui est noir, ça va disparaître et tout ce qui est blanc, ça va rester à l'écran. Donc en gros, la couleur verte devient transparente. Et ensuite, avec les paramètres de clip black et clip white, on va devoir changer ces paramètres, les faire bouger pour qu'on récupère des informations dans le corps et qu'on enlève un petit peu plus de fond vert. Et ensuite, vous repassez en final result et là, vous allez avoir votre résultat final. Mais ça, c'est l'étape en fait sans plugin. Et c'est l'étape que j'aime plus trop parce qu'il y a un nouveau plugin qui est sorti qui est complètement fou et ça va encore une fois révolutionner, j'en suis sûr, le fond vert sur After Effects. Ce plugin s'appelle Composite Brush et ce plugin est créé par Chris Branos et il est en vente sur le site Ascript et Aplugin. Et ce plugin, c'est complètement de la magie. Avec la pipette, on va tout simplement, comme avec Keylight, sélectionner les endroits du vert du fond vert et en faisant Alt-Click, on va sélectionner les zones qu'on veut garder. C'est aussi simple que ça et c'est tellement plus facile d'utilisation et tellement plus efficace. Et ce plugin est complètement ouf parce qu'il arrive à faire par exemple la différence entre un t-shirt bleu et un fond bleu. Donc
l'argent qui va réussir à trouver des différences entre deux teintes de bleu extrêmement proches. C'est là où tu vois la puissance du truc, donc vraiment je te conseille d'aller voir ce plugin, c'est Composite Brush. Maintenant j'utilise que ça, Keylight pour moi c'est complètement le passé. Maintenant qu'on a enlevé le gros du fond vert, on va pouvoir voir sur les bords un petit peu de vert. Eh bien c'est les semi-transparents, c'est les trucs pas cool, c'est les reflets sur la peau, c'est pas sympa. Voilà pourquoi on va utiliser un effet dans After Effects qui est déjà fourni dans After Effects, qui s'appelle Advanced Spill Suppressor. Donc ça c'est la version anglaise, en français je te laisse chercher, mais voilà. Et du coup cet effet vous allez juste l'appliquer et ça va enlever donc toutes ces petites zones vertes qui nous font chier. Donc maintenant on passe de ça à ça. Donc juste avec cet effet et un clic, on gagne déjà pas mal de réalisme. Et là, on a fait donc l'étape que je faisais à peu près tout le temps et ça donne pas des choses très fofolles. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les keyers professionnels, donc les gens qui font du fond vert toute leur journée pour le cinéma, ne font pas trop cette technique. Eux, en fait, ils font des masques dans chaque zone de l'écran qui mérite un keying spécial. Donc eux, par exemple, les cheveux vont avoir un keying spécial, le visage un keying spécial, les bras un keying spécial, les jambes un keying spécial. Donc vraiment, c'est très long et très chiant. Et moi, je déteste tout ce qui est comme ça. Voilà pourquoi j'ai trouvé un script, mon gars. Ce script s'appelle After Keying et il est développé par Natawork Studio. Et tu peux le trouver encore une fois sur le site Ascript, la référence des scripts et plugins pour After Effects. Eh bien, ce script, quand il est sorti, j'en croyais pas mes yeux en fait. Vraiment, il est sorti, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Est-ce que ça marche vraiment aussi bien? Voilà pourquoi ils me l'ont envoyé pour que je le teste et il marche vraiment aussi bien que ça. Ce plugin va littéralement rajouter du détail dans ton keying pour conserver les cheveux et les poils à un niveau de détail très précis. Voilà comment ça fonctionne. Une fois que tu as fait ton keying et ton spill suppressor, il va falloir que tu cherches une image de fond. Donc moi, je suis allé sur le site Pixabay, qui est un site gratuit où tu vas pouvoir trouver plein d'images de très bonne qualité et surtout libres de droit. Donc j'ai recherché, j'ai téléchargé l'image et je l'ai mis dans ma composition After Effects. Et là, il suffit de sélectionner les deux layers et aller dans le script et cliquer sur Refine Detail Soft et faire Create. Et là, il va te faire un processus d'effet un peu que je ne comprends pas. Et tout de suite, tu vas retrouver plein de détails dans ton keying. Et je prends l'exemple de ma copine qui a des cheveux extrêmement frisés et qui est d'habitude une horreur pour faire un keying. Et là, franchement, ça marche convenablement et sans trop d'efforts. Ça saute vraiment aux yeux quand tu vois le avant, après. Vraiment, c'est avant, c'est dégueulasse, c'est inutilisable. Mais là, vraiment, c'est vraiment trop bien. Donc vraiment, ce script est complètement fou. Il permet aussi de rajouter des effets d'atmosphère s'il y a d'atmosphère dans ta scène. Donc vraiment, je te conseille d'aller voir ce script. Il m'a sauvé la vie pour ces plans-là. C'est sur le site ascript.com. Tu as les liens dans la description. Et avant ce script, j'avais un petit peu peur de faire du fond vert parce que tout de suite ça peut rendre vraiment très moche. Mais grâce à ce script, franchement, maintenant j'ai plus trop peur d'en faire parce que ça permet vraiment d'en faire d'une manière assez réaliste. Les dernières étapes ensuite, c'est de rajouter du edge blur. Ça veut dire du flou sur les bords. Parce que si on fait du keying, on va avoir les bords vraiment très sharp. Ça veut dire vraiment très brut. Et nous, on va essayer de le flouter un petit peu pour donner un petit peu plus de réalisme et qui se fonde un petit peu plus dans le fond. Et ensuite, la dernière étape, tu te rappelles tout à l'heure, je t'avais dit de prendre une vitesse d'obturation assez rapide pour pas qu'on ait de flou de mouvement. Et bien là, on va en rétablir numériquement. Grâce au plugin Real Smart Motion Blur, ce plugin va analyser ton image et va créer du flou de mouvement. Donc il va analyser les pixels de droite à gauche et il va se dire « Ok, là ça bouge comme ça alors que je mets du flou comme ça ». Et l'œil au cinéma est habitué à avoir du flou de mouvement, donc ça va créer encore une fois un petit peu plus de réalisme. Et ça y est, maintenant je crois que je t'ai donné tous mes tips pour faire du fond vert. J'espère qu'avec cette vidéo vous allez pouvoir choper quelques petits tips et qu'ensuite chez vous, vous allez vous faire plaisir et faire du fond vert parce que le fond vert c'est super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom. Ciao.